Les premiers mots de l'hymne national norvégien traduisent l'admiration et le respect des habitants pour leur territoire sauvage et rude. Nous partons au pays des fjords, point de départ des hordes vikings. Actuellement deuxième ville de Norvège, Bergen s'est développée dès le XIIe siècle autour du vieux port. Cœur de la cité médiévale, le quartier Bryggen est un ensemble unique de bâtiments de bois caractéristiques des célèbres comptoirs établis dans toute l'Europe du Nord par la Ligue hanséatique. En cette fin d'hiver, c'est une nature très contrastée qui s'offre à nos yeux. Nous passons de l'hiver au printemps en quelques kilomètres, ne sachant pas toujours si nous sommes près d'un lac de montagne ou au bord de la mer. En Norvège, le minéral est roi, tout particulièrement dans les fjords qui pénètrent profondément dans les terres. Le Geiranger Fjord, probablement le plus célèbre, est cerné de sommets culminant à 1500 mètres. Les parois sont d'une hauteur vertigineuse, noire, dégoulinante de cascades tombant à pic dans le fjord. Mais lorsque la navigation se fait au petit matin, sans vent, cette beauté sauvage se transforme en féerie inoubliable. Pour faire face aux difficultés de communication, les Norvégiens ont construit des milliers de ponts et de tunnels. C'est ainsi que l'île de Rundø, réserve ornithologique, est accessible par une série de ponts. Située un peu plus au nord, sur un très bel archipel, la ville d'Alesund est étonnante et attachante avec ses constructions Art Nouveau qui ont remplacé les anciennes maisons en bois, trop souvent cause d'incendie. Thank you.
Après le passage du cercle polaire, source d'émotion dans un paysage aussi hivernal, nous nous rapprochons des îles Lofoten et Vesterålen, but ultime de notre voyage. À Sortland, grande ville des Vesterålen, nous sommes rattrapés par une mauvaise météo. Ce sera l'occasion de bénéficier d'éclairages très particuliers lors des averses de neige. D'une beauté austère et encore très peu touristique, les îles Vesterålen nous ont tout particulièrement séduits. Connues, les îles Lofoten sont tout aussi sauvages et montagneuses. Les traditionnelles petites cabanes rouges de pêcheurs, rorbuées, sont souvent transformées en chambres d'hôtes. Elles donnent un charme tout à fait particulier à ces côtes austères. La pêche à la morue constitue encore l'activité principale des îles Lofoten, et le paysage en porte la marque. Lors de notre redescente vers le sud, nous traversons la région du Telemark avec les églises en bois debout. Construites dès la fin du Xe siècle au temps des Vikings, nous ne pouvions pas rêver meilleure fin pour notre escapade. Oh,